Bonjour tout le monde, bienvenue ici à Pala Raceway. On se retrouve pour la dernière manche du championnat américain et ça va être vraiment incroyable. Merci beaucoup d'avoir déjà à Lubig USA qui m'ont eu les autorisations pour filmer. J'ai le petit bracelet qui va bien, regarder. Et la journée ne fait que commencer, c'est dingue, on a déjà vu plein de gens, Star Racing, HRC et tout, un truc de malade. Allez, vous emmène avec moi pour cette journée. Les premiers essais de nuit sont faits, donc on a vu rouler Musquin, on a vu rouler les frères Lorenz, on a vu aussi rouler le petit Digan, Danger Boy. Et je voulais vous montrer un truc, c'est qu'ici, alors ici ils viennent, ils sont calés, c'est pas comme en Europe où à la limite t'amènes ta petite chaise. Là, ils amènent les Barnum, il y en a, ils sont sur les toits des camping-cars avec leurs petits sièges, c'est des malades. Vous donner un peu un ordre d'idée d'où on est là. Body temperature to drop down, you know, just sitting out there. Even our side wraps have been dropped down by about 20%. They're gonna only have 8 minutes instead of 10 to do that next. And you guys out the side. Wilson walks back by the after back here for the tail end. This is the 13th, which is the ground level. Session followed by Jerry Robin, running out of top 15. As we watch Alex Martin in his final round. Right now, time continues to wind down just about 2.5 minutes. Who's it going to be? Still looking at that 227.3 for the number 3 of Eli. Moi, je trouve ça aussi intéressant de faire un peu le tour de tout ce qu'il y a derrière la piste, c'est-à-dire à la fois les paddocks, mais aussi l'espace exposant. Il y a plein de choses qu'on n'a pas en France. On a des grosses mires mortes comme ça, avec plein de produits à vendre. Je vais vous montrer un peu. Il y a de tout, donc si vous voulez voir. On a aussi Slay, la marque d'Axel Hodges.
et pour ceux qui connaissent, Dirt by Kids. Pour ceux qui ont déjà vu Jet Lorraine, c'est sa petite marque de vêtements et d'accessoires. Donc voilà, avec son logo. On a aussi bien des pièces que des équipements, avec notamment cet énorme stand d'Alpinista. Ici on a cette marque aussi, qui s'appelle Stasic, on pourrait le prononcer. Qui fait plein de petits vélos pour les enfants comme ça. Certains sont électriques si je ne me trompe pas. Et vraiment sympa. C'est un énorme stand, super bien agencé. Ils sont en train d'installer. On a le Lucas Oil pour motocross, comment on pourrait appeler ça, le semi quoi. Là on a pareil, Intense, Thor, on a Monster là-bas. Que serait le motocross sans les boissons énergisantes et Monster? Voilà, alors petit, petit camion au bord de la piste. L'effet pro-circuit, c'est pas des lol. Regardez, il n'y a personne aux autres stands, et là, il y a pas mal de monde. Tsunoda, Rider Di Francisco, enfin bref. Il y a toute la clique. Et même leur petite voiture de Kawa. Et là on a le patron Mitch Payton. Bon, celle-là, il faut que je vous la montre, la moto à Musquin. Il roule en 2,5 ce week-end pour s'entraîner pour les Nations, où il roulera aussi en 2,5. Elle est juste derrière, regardez. Vraiment, elle est magnifique. Un petit bijou là, c'est... Waouh. Bon les gars, arrêtez de dire qu'il faut pas laver sa moto au Karcher, regardez. Les KT Usine, pareil que les autres, c'est Karcher, direct. Il faut savoir que certaines marques ont des partenariats et je pense que eux ont un partenariat avec Chevrolet par exemple. Un concessionnaire ou bah, carrément la marque. Donc regardez. C'est quand même stylé. Voilà. Oh là là, en bleu elle est belle. C'est vraiment vraiment beau. Numéro 31. Là on a le numéro 15. Donc je sais que cet homme a beaucoup de fans, donc le voilà, Monsieur Tigan. Et là on a toutes les motos 2,5 du team. Vous pouvez le voir. Avec les 2,5 de Justin Cooper, qui roulera lui aussi aux Nations, mais pour les États-Unis. Yeah.
you to warn you now, anyway, you have about 3.5 minutes left. Checkered flag flies now, JP 90. Medical block check, and are now 3.9. And then comes Cooper. Les qualifications 450, c'est maintenant la deuxième session de qualification. Quoi à vous dire? Eh ben, ça roule bien, ça roule fort. Il fait très très chaud. Ils ont décidé d'écourter les manches. Normalement, ça sera 25 minutes. Ils ont aussi allongé le temps entre chaque manche, ce qui permet au pilote de récupérer. Parce que là, rien qu'en étant comme ça, je pense que vous voyez, j'ai la casquette, j'ai les lunettes. Ça tape très 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 fort. J'en profite que ce soit assez calme. C'est impressionnant de voir les différents types de pilotage, mais c'est aussi impressionnant de voir Sexton. On voit quand il roule. À sa morphologie, le mec, c'est une bête. Je pense que physiquement, incroyable. Alors lui, ça se voit par rapport à sa morphologie. On sait que Thomas qui est aussi très très bon physiquement. Tout le monde est bon physiquement. Mais lui, quand on le voit, ça, c'est impressionnant. La puissance qu'il dégage, c'est fort. On vient de voir Tomac, pas trop content qu'un autre pilote lui bloque un peu la route. Mais bon, c'est le jeu. Probably so rough. Knocked it out of the park. Here we go, Fox Raceway. Timing's a little off. Looking from the top view right there, it looks like Jet Lawrence could pull the whole time, but it could be Joe Shimoda just talking about the historical resume of Jet Lawrence here at this track. You go back just in the beginning of the season. So many lines to choose from, man. It could be a good choice. Yeah.
petite pause en pleine manche, je peux vous montrer. Les gens ici, c'est des malades, ils sont jamais dans la bulle. Regardez la taille des bordels. Là, tout là, c'est des camping-cars. Avec des énormes pick-up pour traîner les remorques, ou tout simplement, ben, c'est des bus. Voilà. Donc, je vous montre la taille de celui-ci. Il est énorme. Et il n'y a que ça, regardez. Les gens derrière moi sont sur les toits et tout. Ça, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça de ma vie. Vraiment, c'est n'importe quoi. Taking a little more lately, the last few laps. Looks like they're both going a little more outside in a few turns, but yeah, it's as even Steven as you can get right now, Lurch. You know, you're taking a look at a man who's making this way through the pack. We're talking Jason Anderson. Sexton kind of settling into the pace right now. Does not want to override the bike. Does not want to make a big mistake here and throw it away at the end of moto number one. Again, 3 minutes plus two laps ago. Set back there, but just 0.1 the separation between our first and second. Yeah.
starting force of the number 32 of Justin Cooper. And here we go, final moto of the season in our 250 class. Talking about tight races, talking about championships on the line, but right now, the number one, Jeff Lawrence, holding on to that point, holding on to that championship, work our way into moto number two. Over there by the big sky. Yeah, what a great job, Joe Shimoda. You know, what a, again, we talk about somebody who was an alternate, had to try out for a while just a few years ago, now is a team leader. That's his fifth moto win of the year. Goes along with, you know. Bon, c'est fait, on a notre champion 2,5 MXUS, et c'est Jet Lawrence. Voilà, bon. Il n'y avait pas trop de suspense avec l'avance qu'il avait au championnat. Qui gagne la deuxième manche, c'est Joe Shimoda. Qui a roulé comme un malade, je crois qu'il avait un moment 25 secondes d'avance sur le second. Donc vraiment il a roulé très très fort. Et là surtout ce qui va se passer c'est qu'il y a la course 450. Alors vous savez déjà le résultat, mais là le suspense est à son comble. T'as des mecs qui sont à fond Chase Sexton, d'autres qui sont à fond Eli Tomac. Et c'est chaud parce qu'ils sont arrivés ici avec un point de différence. Donc Tomac avait un point d'avance, il a gagné la première manche. Donc ça veut dire que normalement il a 4 points si je me trompe pas. On va mettre les calculs là, parce que normalement le premier a 3 points de plus que le deuxième. Donc ça veut dire que 1 plus 3 a 4 points. Et donc il faudrait au minimum, si Sexton gagne, que Tomac fasse 3. Et je pense que ça va être tendu parce que les deux ont un niveau, ils ont mis un tour à tout le monde. Peut-être même un tour et demi. Donc on verra comment ça va donner, mais c'est deux extraterrestres comparés aux autres pilotes, rien à voir. Oh,
is a battle, and Ryan Dungey did not want to tip over and have to fight this hard. He did not want to tip over as hard as they are today. Hats off to Christian Craig, only 1.6 back to the games. Rips a whole shot. Chase is not going to do that. He's going all the way to the checkers, and whatever happens, happens. And I'll tell you right now, there's some stuff happening. I think Eli Tomac thought he probably had top championship pro level session there. Absolutely. Small. He's sitting down. Eli Tomac won his first race in Hangtown, and he looks like he's one final a couple jumps away from winning his last race. Congratulations, Eli. Ça y est, c'est le moment de rentrer, donc voilà, vous l'avez vu, sacre d'Hunter Lawrence, sacre d'Eli Tomac. C'était pas une surprise, ok. Il y avait du suspense par contre en 4,5, ça pouvait aussi bien être Chase Sexton que Eli Tomac. Malheureusement, voilà, c'était serré jusqu'à la dernière course, dernière couche, il me semble que Tomac n'est pas tombé, ça c'est sûr, mais il me semble que Sexton est tombé deux voire trois fois, je ne vais pas dire trois fois si je suis pas sûr, mais il me semble que c'est trois fois. Et s'il n'était pas tombé, qui sait, ils auraient peut-être fait 1-2, mais bon, ça n'aurait pas suffi pour que Tomac perde le championnat et que Sexton le remporte. Donc voilà, du suspense quand même jusqu'à la fin, c'était assez cool, sur une piste incroyable, une météo incroyable parce qu'il faisait beau, mais incroyable parce qu'il faisait chaud aussi, comme je l'ai dit. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt, merci à tous, plein de vidéos arrivent, notamment on va essayer de rouler sur cette piste, il y en a même une autre à côté là, c'est dingue, il y a des pistes partout. Tu vas à un terrain, il y a 12 circuits, enfin c'est un truc de fou.